Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Les tribunes se parent du bleu céleste de la Lazio. Inutile de dire que c'est très différent lorsque c'est l'autre équipe romaine qui reçoit. On est parti pour 90 minutes. La Lazio est actuellement la meilleure attaque du championnat. Quelle efficacité! Ça va sur l'aile. Il combine parfaitement. C'est dégagé. Armas qui cherche la profondeur. La Lazio qui s'était imposée lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Derrière. Arnold. Cette possession un peu stérile. Correa. La Lazio qui essaye de construire. Ça passera sur le côté. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Zaka. Et le ballon est sorti. Touche. Il glisse le ballon en profondeur. Le centre, ça peut faire mal. Et but pour la Lazio. Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Et voici l'ouverture du score. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Voilà le match définitivement lancé. Et tout le stade s'est levé sur ce but. Les joueurs vont se nourrir de cette énergie. Bien tenté. Il déclenche son centre. Avec Correa. C'est joué long. Attention, il est bien placé. Benteke, il peut y aller. Oh, et but! Le but! Ils enfoncent le clou en marquant rapidement un autre but. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Mais c'est quasiment suicidaire. Le break est fait. On est reparti. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Ils s'en sortent. La Lazio qui a quand même marqué deux fois en 10 minutes. Ils ont donc fait le break. Ils jouent dans l'espace. Le bon jaillissement. Correa. Oh, voici Immobile. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le long dégagement du gardien. Zaka. Qui choisit le côté gauche. Oh, il fallait l'oser ce tacle.
C'est joué long. Veretout. Oh, attention. La tentative. Et il trompe le gardien. Quel enchaînement imparable pour le gardien. C'est l'occasion de procéder à un changement. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est un tout autre. Et un contact qui n'était pas régulier, Coucheron. Carton jaune, oui, c'est logique. Il cherche son coéquipier. La passe dans la profondeur. Armache. Veretout, dont on parle beaucoup dans la rubrique des transferts en ce moment. À votre avis, Darren, il pourrait partir au prochain mercato? Écoutez, c'est normal qu'il attire les convoitises vu ce qu'il montre en ce moment. Et si le club reçoit une belle offre, il y réfléchira peut-être à deux fois, même si c'est un joueur important. Au ballon qui vole jusqu'au second poteau, la belle interception. La Fiorentina qui pratique un jeu relativement simple. Bon, c'est vrai que centrer et espérer que son attaquant soit à la retombée, ce n'est pas ultra sophistiqué. Mais ça reste quand même très efficace. Oh, l'occasion! À côté! Ah, quel dommage! Il était pourtant en position idéale. Il tente de la jouer dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. La passe interceptée. Ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Ça joue long vers l'avant. Ça peut être extrêmement dangereux. Il joue dans l'espace. Quel timing dans l'interception. Veretout, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il relance côté droit. Bien joué, ça. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le jeu repart vers la droite. C'est joué long, attention. Glisse le ballon en profondeur. C'est parti. Il met la tête. La parade exceptionnelle. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Et ce corner à la rémoise. Veretout qui est récompensé de son pressing. C'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 3 buts en première période, mais ils sont menés 2 buts à 1.
L'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Le bon dribble. Oh, il l'a récupéré. Ça va soulager un peu. Il a trébuché sur cette intervention. Lucas qui écarte le jeu. Il reçoit le ballon. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Arnold, il va tirer ce corner. Le bon dégagement. D'ailleurs. Il peut y aller. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Avec Correa. C'est une occasion, ça! La Fiorentina, qui a été très critiquée après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. La Fiorentina, qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Allez, ça peut faire mal. Et le centre, bien de la tête. Et il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une belle occasion. La passe dans la profondeur. Mais le ballon a franchi la ligne. La Lazio qui a régulièrement inscrit au moins un but juste après l'heure de jeu, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Derrière. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est intercepté. Quelle passe. C'est joué long. Attention, il est passé. C'était un geste décisif, ce tacle. Correa. Il se recentre. Il peut frapper. Aucun danger pour le gardien. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Et le 6 mètres directement sur lui. Oui, faute et coup franc à venir. Et il prend donc un carton jaune. La Fiorentina qui compte maintenant deux joueurs avertis. Correa. Il tombe sous la pression. Lucas, attention la frappe. Et le cadre se dérobe largement. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Armage. Il relance côté droit. Et le raid côté droit, il a du soutien. La passe dans la profondeur. Dans l'espace. Oh, l'interception.
S'il le trouve, ça peut partir en contre. Dans la profondeur. C'est bien fait, ça. Un long ballon vers l'avant. Avec Veretout. Armache. Veretout. Son coéquipier est libre. Bonne passe. Il glisse le ballon. La frappe. Et c'est un but. L'égalisation de la Fiorentina. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Xhaka qui compte maintenant 4 buts dans ce championnat. La Fiorentina qui utilise les forces de son effectif. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Les revoilà dans le match. Alors là, c'est un but qui fait du bien au moral. Est-ce qu'ils arriveront à marquer le but de la victoire? La Lazio qui reste fidèle à sa réputation en encaissant encore un but en fin de rencontre. Veretout. Quelle fait du bien cette interception. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Chance! Il est allé au bout de son action! Bien joué! Quelle inspiration! Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial! Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Il y va tout seul. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il doit vite trouver une solution. Va-t-il en profiter? Il tente de la jouer dans l'espace. Bien servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. L'arbitre siffle la fin du match. Et ce match se termine sur ce score nul, mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt, salut. C'est toujours un bonheur. Father, help me, Lord. Why did the devil just knock on my door? Why did he keep tripping every time I have a vision? They be closing the door. Why did these women stand next to the money and hope that they get on the blocks? Why does my mama keep crying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke. I ain't even rich. It's not about the money. It's really how you think. Really gotta get homie. Time don't wait. You gave it to your hands. Do what it takes. Do what it sue you. It sue you. At the end of the day, sue you. Said it once before, you bounce back before. Young kid with a juice. How about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answer is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now, we acting wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the sea just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. No self-doubt can make you think twice. Giving my all so there's some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love, that great. To, yeah, nothing but love.
purposes I like. As soon as I go, the answer is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Yeah, we get.